Hey, bien salut tout le monde, c'est Feronium, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Warframe. J'espère que vous allez tous bien écouter, moi ça va très bien. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve du coup sur ce jeu et on peut voir que nous avons trois trucs à ouvrir aujourd'hui pour la tribu journalière, parce que j'y joue tous les jours en fin de compte depuis que je m'y suis mis. Et là voilà, nous sommes à 6 jours de jeu consécutif, donc 44 jours avant le prochain échelon. Autant dire que je sais pas si je vais y jouer 44 jours à la suite, hein. Mais pour l'instant je suis bien parti. Donc ouvrons tout ceci. D'accord. Ouais, donc c'était au pif en fait. C'était un des trois. Tenez votre codex. Voilà. Et les gens, bah aujourd'hui, on a vu dans le dernier, dans la fin de la dernière vidéo qui a été faite, que pour que je puisse progresser un minimum, il faut que je monte il faut que je monte des échelons en fait. Voilà. Il faut que je monte de palier. Et du coup, c'est ce qu'on va faire là. On a assez d'affinités pour que je puisse passer au palier 2. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous êtes en passe d'accéder au palier suivant. Si vous échouez, vous devrez attendre 24 heures avant de pouvoir repasser le test. Tentez maintenant. On va tenter. Je ne sais pas trop ce qu'il demande. J'espère que ça va pas être compliqué parce que j'ai pas spécialement envie d'attendre 24 heures, quoi. Donc, hop là, on se retrouve. Avec une arme de poing, éliminer toutes les cibles. Bon, d'accord. Ok, donc on a notre petit flingue. Bon. Ouais, hein, je pense que j'ai. Ah ouais, c'est fini, elle avec une. Ok. Je pense que j'ai largement le niveau pour passer le palier 2 quand même. Parce qu'en fait, enfin je sais pas, mais je trouve que notre stuff est assez avancé comparé au palier qu'on a en fait. Voilà quoi, regardez, ils ne font aucun dégât, donc pas de soucis à se faire là-dessus. Et donc c'est tout. Une fois ce test est maintenant terminé. Waouh, bah disons, bon pour l'instant c'est vraiment pas compliqué. Hein. Vous voyez d'ailleurs que mon Excalibur a passé au level 29. Je suis bientôt au level 30, donc level maximum. Mon Scanner est au level max. Mon arc est passé aussi au niveau max. Et maintenant je recherche en fait. Vous avez de nouvelles quêtes disponibles dans votre codex. Ouais. Je recherche. À avoir des réacteurs Orokin qui me permettent de doubler en fait les capacités de drain en fait. Mais autant dire que c'est quelque chose de très très rare. Donc là, vous voyez, je suis déjà plein en fait, hein. Je suis déjà plein. La vitalité. Je pourrais augmenter redirection par contre. Hein, redirection. Astuce du voleur. Alors, on a un truc endommagé. Là, elle n'est pas endommagée. Attends, on va mettre celle qui n'est pas endommagée. Je sais pas ce que ça fait. Récupération accrue des munitions de sniper. Plus de 5% de munitions ramassées. Ça peut être pratique, mais après, j'ai vraiment plus. Ça, on en recherche. Ça peut être bien ça. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être bien. Après, j'ai vraiment plus de place. Donc, j'ai 50% de chance de paradoto. Ok. Voyons voir ça. Là, j'ai encore 8 de dispo. 5 impact, taille et chance de critique. Ça peut être bien. Blablabla. Plus 5% de vitesse de recharge, j'ai pas besoin de recharger. Étant donné que c'est un arc. Étant donné que c'est un arc, je n'ai pas besoin de recharger.
Donc on va mettre plutôt les chances critiques. À moins que la recharge pour l'arc, c'est quand genre, on met notre flèche sur l'arc en fait. Mais bon. Bon, par contre, en ressources, vous voyez, 159, 29 000, 7 000 et tout, j'ai fait pas mal d'extraction.